L'effondrement d'une mine d'or illégale dans le district de Kabanga, dans la région de Koulibo au Mali, a fait au moins 70 morts la semaine dernière. Il est possible que le bilan s'alourdisse et pour cause, une centaine de personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'accident. Les chiffres qui sont sortis comme information, derrière des chiffres non exhaustifs, ce n'est jamais arrivé. Alors comment cela a pu être arrivé? C'est la question fondamentale. Mais je pense que les plus hautes autorités vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité. Ce n'est pas une zone d'orpaillage, c'est un site qui a été transformé en zone en site d'orpaillage que nous n'avons pas compris. Et donc, les écoutes sont en cours. Le secteur minier fait vivre plus de 2 millions de personnes au Mali.